Salut à tous, aujourd'hui nouveau tutoriel où je vais vous montrer comment supprimer l'effet fisheye de votre GoPro. Donc voilà, que ce soit pour votre GoPro Hero 6, Hero 5, Hero 4 et j'en passe, ça marche vraiment pour toutes les GoPro. Donc l'effet fisheye, c'est un effet qui est intégré à la GoPro et qui crée une sorte d'arrondi sur les bords de nos vidéos. Donc voilà, je vais vous montrer comment le supprimer parce que ça peut être dérangeant pour ceux qui veulent faire un contenu un peu plus cinéma. Même si moi je trouve que ça fait un peu le charme de la GoPro. Je vais vous montrer comment le faire sur Sony Vegas, même si je sais que ça se fait sur plein d'autres logiciels, comme After Effects, GoPro Studio. Mais bon voilà, pour ceux qui ne veulent pas avoir 50 logiciels d'ouvert en même temps pour faire leur montage, c'est quand même vachement plus pratique de pouvoir tout faire sur un seul et même logiciel. Donc voilà, on commence tout de suite, vous importez donc votre vidéo, et vous allez donc mettre un effet sur cette vidéo, l'effet déformation. Donc on double-clique OK. Une fois que vous avez mis cet effet, vous allez mettre en quantité de déformation, 500, moi je vous conseille 500, c'est un bon compromis, ni trop ni pas assez. Voilà, 500 c'est nickel. Et ensuite, on va donc utiliser ces curseurs, ces 4 curseurs arrondis pour modifier l'arrondi, notamment là ici du panneau. Vous voilà, ça sera sûrement autre chose, mais moi ici voilà, c'est le panneau. Donc on prend le curseur par exemple de droite, parce que voilà, mon panneau est situé à droite, donc je commence par la droite. Et on essaye donc voilà, de droite à gauche, peut-être baisser juste ça. Et on essaye donc de faire bouger le panier pour qu'il soit le plus droit possible. 145, ça me paraît pas mal. Et donc voilà, maintenant que vous avez trouvé la première valeur, c'est assez simple. Vous avez juste à la copier. Donc par exemple, regardez, droite moins 145, donc gauche, je vais mettre plus 145. Voilà, il faut pas... vous pouvez, hein, tout à fait, voilà. Vous pouvez, si vous voulez, refaire la gauche pour voilà, recentrer le truc. Mais moi, je préfère mettre les mêmes valeurs, c'est quand même plus précis. Ensuite, le haut. Hop, je regarde qu'est-ce que je pourrais mettre. Je vais mettre moins 145 aussi. Moins 145. Et donc, le bas, vu que j'ai mis moins 145, le bas, je vais mettre plus 145. Voilà, on obtient une vidéo comme ceci. Il faut donc, au final, avoir cette forme voilà, d'arrondi vers l'intérieur. Il faut, au final, avoir cette forme. Ensuite, vous doutez bien qu'on va pas laisser ça comme ça. On va s'occuper de l'écrasement. Donc, on va étirer la vidéo pour enlever un peu ces bandes noires, ces micro-bandes noires. Donc, on commence par la gauche. Hop, je monte. On prend la droite. On monte aussi. Là, c'est vraiment par tâtonnement. Il n'y a pas de valeur précise à mettre. C'est vraiment par tâtonnement. Voilà, une fois cela fait, on peut fermer l'effet. Et donc, voilà, on vient de supprimer l'effet fisheye. Je peux vous montrer la différence. Si on enlève des formations et je remets des formations, voilà, le panneau est quand même plus droit, c'est quand même plus naturel à voir. Voilà. Et ensuite, une fois que vous l'avez fait sur une de vos vidéos, vous pouvez tout simplement faire clic droit copier et le copier sur d'autres vidéos de vos GoPro. Donc par exemple là, le volet est vraiment arrondi. Vu que je viens de faire de clic droit copier, je peux faire clic droit et coller les attributs d'événement. Hop, le volet redevient normal, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, c'est quand même vachement pratique cet outil déformation pour ceux à qui ça dérange. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Allez, salut !